c'est pour... C'est poétique et subjectif. Bah, raconter une sorte d'histoire. À Bellevue. Tu vois, on fait des cartes comme ça. On met que ce qui est important pour la personne qui fait la carte. C'est là-bas. Mettez donc un peu de merveilleux. Ah ! Alors, faut que je fasse appel à ma mémoire. Qu'est-ce qui va faire que je vais parler de Bellevue ? Qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Bellevue, bah, c'est la place. C'est une place cosmopolite, je veux dire. Hein? C'est une place conviviale. Malgré ce qu'on peut en dire, on a peur. Moi, j'ai pas peur. Il faut pas avoir peur de tout. C'est une place commerciale, c'est une place... Moi, j'ai pas peur d'aller prendre un petit café, d'aller chez le coiffeur, d'aller... La place, oui. Elle est ronde parce que y a pas de coin où on peut se cacher. Je jouais à cache-cache quand j'étais petit, mais au jour d'aujourd'hui, je peux plus me planquer. J'aimerais parce que... Je sais que dans la place Bellevue, il y a des... On peut tout dire. J'ai envie de vous dire que si c'était moins la répression, il y aurait moins de gens qui seraient en rébellion contre cette répression et il y aurait moins de trafic. Ah ben, ma drogue à moi, mon paquet de cigarettes qui se trouve là. Et le petit café qui se trouve là. De mes amis, musulmans. C'est vrai que le patron, je l'aime bien. La poste, dans le temps, j'y allais, mais j'y vais plus. Si, pour chercher des sous. Là, à la poste, parfois, très rarement, parce qu'il n'y a plus de sous. Zone de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent, ils inspectent, ils réprimandent, ils verbalisent, ils embarquent, ouais. Et oui. J'ai encore pas vu quelqu'un, mais des fois, ça... si, ça arrive. Ils embarquent peut-être. On va dire qu'ils embarquent peut-être, mais j'ai pas vu, moi. Mais sûrement. Mon taxi tramway. Tu sais, je suis un grand enfant, moi.